Il a cherché ça. Mes babouches, le père. Il ne cherche pas les babouches. Tu parles avec mon frère. Garde, sérieux. C'est la police. Sérieux. Wabele. Wabele. Les gens. Nous sommes un nouveau commissariat, une nouvelle unité de commandement. Le quartier-ci a beaucoup souffert et on a écrit au chef de l'État pour créer ici un poste de police. Comme vous pouvez bien regarder, commissariat du 20e arrondissement, c'est-à-dire le tout dernier. Et si vous regardez bien à l'intérieur, il s'agissait bien d'un domicile privé et qu'on a bien voulu donner à l'État pour venir installer un commissariat. On se veut donc une police de proximité. Rien à voir avec l'ancienne police. Nous devons donc prêcher par le bon exemple. Nos attitudes, nos comportements, pas de corruption. Et comme le nom l'indique, force de maintien de l'ordre. Nous ne sommes pas une force d'oppression. Nous sommes là pour veiller sur les populations. Alors, rien à voir avec les anciennes habitudes. Des passes à son accouplement, on doit être propre. Et chacun devrait me dire ce qui sera son cheval de bataille. Parce qu'il faut que, dorénavant, nos quartiers respirent, qu'on sente notre présence. Alors, garde la paix, haricot, ça sera quoi votre cheval de bataille? Mon cheval de bataille sera de dire la vérité et rien que la vérité. Si je vois ma mère, dedans. Si je vois mon père, dedans. Si on fait le Congo ça et cela, je dénonce. Si un citoyen se comporte mal, je recadre et je remets le droit dans sa tête. Et si quelqu'un veut outroyer à la loi, je suis prêt à tuer et je rends compte. On ne tue pas ici. Ici, il est question de veiller sur les populations. Ce ne sont pas nos adversaires. Et félicitations d'abord parce que j'ai vu, vous êtes passé là avec, je sais pas. Ce sont mes amis, on a grandi au quartier ensemble. Ils étaient en train de jouer à la map. Et c'est là où quand j'arrive et demande, est-ce qu'il y a le banga? Ils ont caché ça. Ils sont là à l'intérieur là comme ça parce qu'ils troublent. Félicitations. Quand ils jouent comme ça dans la nuit, plus tard dans la nuit, les gens ne dorment pas et on casse les maisons. Félicitations. Merci mon cher. Chacun devrait commencer dans son quartier. Gardien de la paix, promesse. À vos ordres, mon commissaire. Ce sera quoi votre cheval de bataille? Mon cheval de bataille, l'arrestation de toutes les prostituées verbales du quartier ainsi que les influenceuses. Diane Rama. Mon commissaire. Votre cheval de bataille, ce sera quoi? Mon commissaire, le pays va mal. Si on commence à dénoncer tous les problèmes du pays, là, on peut passer même une semaine ici. Donc je vais partir à la maison, faire la liste et voir le problème le plus urgent pour pouvoir me recadrer. Officier Adé. Mon commissaire. Je vous écoute. Je vais commencer d'abord par le carrefour. Tous les bensikineurs là qui font le désordre, qui gardent n'importe comment là, mon commissaire. Je les mets dans le droit chemin. Vraiment. Oui. Et les bas même. Oui, monsieur Adé. Mais vous devez seulement savoir que les bensikineurs sont comme des Arabes. Beaucoup de pincettes. Chacun doit y mettre du sien. Regardez l'officier Michel. On a tiré sur elle à Bamenga 7 fois. Oui. Oui, jusqu'à ce qu'elle a perdu un membre. Mais elle est avec nous. Vous devez veiller sur les populations. Les bars qui ne ferment jamais. Vous devez veiller. Les églises réveillées. Qui chassent les démons, envoient le feu aux voisins à minuit. Ça doit cesser parce que les Camerounais doivent dormir en toute quiétude. Oui, mon commissaire. Oui, mon commissaire. Vous allez également veiller sur les édifices publics.
rassurez-vous que le drapeau qui est accroché est neuf. Oui, mon neuf. On s'en fout. Ils n'ont qu'à faire leur 4-9, un drapeau. L'essentiel est qu'on ait un drapeau. Même les chefs de quartier, je crois qu'ils ont déjà chacun 50 000 francs chaque mois. Vous devez veiller à cela. Régler la circulation quotidiennement. Vous savez que les motos t'assemènent et ils ne regardent pas quelle soit la couleur du feu. Ils traversent seulement. Vous devez veiller sur les enfants qui viennent souvent vendre les produits au niveau des feux rouges. Vous devez veiller sur tout, je dis tout ce qui est anormal. Oui, mon commissaire. Même si on vous appelle dans un quartier qui a quelqu'un qui est en train de construire un immeuble, on ne sait pas d'où il vient des fonds, vous interpellez. Ça vous aide, mon commissaire. On doit travailler en collaboration avec la CONAC. Les mentalités doivent changer. Plus de femmes excisées, plus de femmes battues. Ça nous avantage. Plus de femmes non éduquées. Vous devez veiller. Qui a dit avoir pas la circoncision tardive? C'est vous? Non, mon commissaire. Oui? Mon commissaire, je voulais dire, même les gens qui prennent Facebook là, ils dansent nus, on doit aussi les arrêter, les amener ici. Effectivement! Vous devez veiller à tout cela. Les gens qui prennent Facebook comme étant en tribunal, qui viennent insulter, qui viennent injurier. Oui, mon commissaire. Cherchez à les identifier et amenez-les ici. À vos ordres, mon nous devons être un pays exemplaire. C'est ça, mon commissaire. Et nous comptons sur la force de maintien de l'ordre. Et comme vous savez, la police, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration et d'inspection. Officier, asseyez-vous. Allez, tout le monde au sol. Chef, ça veut dire entre nous, ça qui commande le... Vous voyez comment c'est organisé, non? Vous voyez comment c'est organisé? C'est du plus petit au plus grand. D'accord? Allez, les pommes! Tout le monde, mon commissaire. Les pommes? Les pommes! Après la formation, les ventes sont sorties. Mon commissaire, nous tous. En bas! D'accord, commissaire. Un. Aïe! Deux. Aïe! Trois. Trois. Plus vite, plus vite. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. 14, 15, 16, vous autres, levez-vous. Mon commissaire. Levez-vous. Levez-vous. Aïe. Officier, allez. Oui, mon commissaire. Venez, venez, venez. C'est quoi le souci? Mon commissaire, moi là encore au sol. Encore? Oui. Vous avez 23 ans, non? Oui, mon commissaire. Voilà. Quand on a 23 ans, l'organisme est prêt à subir certains coups. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai souvent... Souvent quoi? Un petit mal là. C'est quoi, sciatique? Oui, et il y a des maladies qui ne peuvent pas arriver à n'importe quel âge. Donc vous pensez que quand vous partez à Kumba là-bas, vous partez couper sur le papier, ça se coupe aussi sur votre organisme? C'est la dernière fois. Quand on dit sport, vous descendez, vous faites le sport. Quand on dit travail, vous devez travailler. Et je ne veux pas entendre ici que, chef, il n'y a pas de véhicule. Chef, on n'a pas d'armes. Vous avez fait les armes martiaux, non? C'est un truc noir en quoi? Judo, mon commissaire, troisième dame. Jusqu'à là-bas. Moi, c'est le judo. Judo. Et avec le rugby. Judo. Non, le traditionnel. Traditionnel, messing. Oui. Danse. Tu as danse. Tu es aussi infirmière, c'est ça? C'est ça, mon commissaire. D'accord. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'essaie de compter sur tout le monde. Ma maison est juste là à côté parce que comme tu es encore en chantier, moins de soucis. Vous me faites appel. Allez, à vos postes! À vos ordres, mon commissaire.